Le 30 septembre, le prince Harry et le prince William se trouvaient à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais ils n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer. Le duc du Sussex était à Londres pour assister à la cérémonie annuelle des Wellchild Awards, tandis que son frère aîné était également présent dans la capitale pour un autre événement. Bien que les deux frères soient si proches géographiquement, il semble que leur ressentiment soit trop ancré pour envisager une réconciliation. Après l'anniversaire de son frère, on avait espéré que l'héritier du trône britannique entamerait un rapprochement. Cependant, cela ne s'est pas concrétisé. D'après le Daily Beast, le prince William aurait décliné la rencontre avec son frère cadet lors de son séjour à Londres. Ce climat tendu entre les deux fils de Charles III trouve en partie son origine dans les mémoires de Harry, publiées en janvier 2023. Dans cet ouvrage, Harry avait formulé des remarques considérées comme grossières et révélatrices par le mari de Kate Middleton. Depuis, les tensions demeurent vives et aucun signe de réconciliation n'a été observé, même après le geste significatif de Harry pour célébrer le 40e anniversaire de William, qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Ainsi, la réconciliation ne semble pas imminente. Le prince Harry, qui s'est rendu seul à Londres sans Meghan Markle, semble toujours en conflit avec la famille royale. Aucun membre de celle-ci n'a fait l'effort de le rencontrer.